Coucou guys. Oh. Je pense que tout le monde l'a remarqué, qui dit été dit chaleur, qui dit chaleur dit aussi canicule malheureusement. Et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans un make-up sans fond de teint spécial été. Donc là on va passer un sérum teinté de Typology qui est incroyable. Moi j'ai la teinte 4 tan. Et c'est un sérum teinté qui unifie la peau. Il est enrichi en squalane d'olive. Il a un fini naturel, une couvrance légère. Moi, je trouve qu'il camoufle juste les taches. Voilà. Pour une joue et pour l'autre. Donc, c'est un sérum que vous pouvez appliquer au doigt. Voilà, comme ça. Moi, je fais au doigt et je finis au pinceau. Vous pouvez l'appliquer. Je vous déconseille la Beauty Blender. Ça, c'est mort. Pourquoi? Parce que... la Beauty Blender va boire trop de produits, c'est une couvrance légère. Ils n'ont pas dit modulable, ils ont dit légère. Donc j'espère que ce sera pas flou quand je vais regarder sur le côté. Je vais essayer de regarder sur le côté en regardant, enfin en laissant mes yeux. Parce que le focus se fait par rapport aux yeux. Donc voilà. Donc là j'ai bien appliqué. Je ne mets pas trop dans les zones où je n'ai pas de problème de peau que je ne veux pas unifier. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu moche. On va passer sur un kabuki rond. Donc moi je les achète sur AliExpress, c'est des Zoreva. Zoreya, ça copie Zoreva je crois. Et c'est l'Ultimate Blending 865. Donc là je blende. Donc moi c'est ma teinte. Donc si vous êtes à peu près de la même teinte que moi, c'est ce qu'il faut prendre. Vous n'allez pas trouver exactement votre teinte. Hein. Je vous l'explique, il y a genre 4-5 teintes. Il y a du plus foncé au plus clair. Et en fait, vu que c'est une couvrance légère, ça se module et ça fond à ta peau. Voilà. Donc comme c'est l'été, moi je joue beaucoup avec les matières. J'utilise des produits assez particuliers, vous allez voir. Donc là, je vais utiliser un correcteur qui normalement corrige tout ce qui est tache et tout, de Black Up. Et moi, je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne parce qu'il est, il a une couvrance assez particulière. En fait, il corrige bien les taches. Et je trouve qu'en anti-cerne, il est assez opaque. Mais sans trop. Parce que vu qu'on n'a pas mis de fond de teint, si vous mettez un anti-cerne trop, genre comme un tarte, un anti-cerne trop épais, trop avec beaucoup de matière, vous allez avoir un effet, selon moi, dégueulasse. Parce qu'on verra vraiment que t'as pas de fond de teint, mais ça, c'est opaque, c'est complètement figé. Donc j'ai avec moi une CC crème de Black Up. Cette CC crème est légèrement foncée mais pas assez dans le but de faire un contouring. Je mélange avec un anti-cerne de Révolution qui est beaucoup plus foncé. Et là vu que c'est l'été et qu'on fait un teint sans fond de teint, il faut de la transparence. En fait on peut pas s'afficher avec un contouring trop noir, trop fermé, trop foncé, vous voyez. T'as pas de fond de teint, tu peux pas te permettre d'avoir un truc noir, tu vois. Donc moi je mélange les deux, moi c'est ce que je vous conseille, de prendre un truc un peu, genre en mode terre de soleil, tu vois. Pas trop, vraiment pas trop. Donc là je les laisse pas, je sombre directement. Voilà, de voir qu'est-ce que je vais utiliser comme produit. Vous allez dire, mais c'est quoi cette foule? Eh bien oui, on est sur un teint d'été comme je vous ai dit. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres de Maybelline qui franchement qui met son rouge à lèvres. Donc j'en mets quand même une bonne quantité. C'est l'été, on est rouge, le soleil a tapé. Donc voilà, je mets un peu sur mon nez. Je pourrais pas faire l'autre joue avec. Je pince mon pinceau parce que c'est pour bien diffuser le produit et ne pas avoir un teint... une barre en fait. Donc j'essaye de diffuser. Ma foi, je pense que j'ai un peu trop parlé et que c'est déjà un peu sec, mais vous avez vu, j'ai encore mon anti-cerne et je n'ai pas encore poudré mon teint. Donc en fait ça va se mélanger. Vous voyez, c'est hyper beau. Moi je trouve en tant que blush et pas en tant que rouge à lèvres. Donc je descends un peu le produit pour avoir un espèce. Donc moi je mets vraiment en effet soleil. Quand je dis effet soleil, je veux dire menton, nez, un peu de front, et voilà, c'est tout. Vraiment, en effet, vous voyez mon visage, il est chaleureux. Je vais blinder mon anti-cerne et je vais le poudrer.
Donc, mon nouveau bronzer de chez Fenty, qui est le Mocha Mami. Je l'ai vraiment acheté cet été pour avoir un teint chaud, un teint réchauffé, sans beaucoup d'efforts. Des fois sans avoir à mettre de blush. Donc là, moi, selon moi, mon teint, c'est un peu trop. Donc je vais prendre mon MAC, qui est un fond de teint minéral. Moi, j'ai la teinte Dark. Franchement, il déconne. C'est ça, Dark. Ah, mais il y a plus foncé, en fait. Mais ils doivent s'appeler Deep, voilà. Donc, on est sur du 10 grammes. Donc, c'est une teinte minérale. Et c'est un effet seconde peau que vous pouvez mettre. C'est parfait pour l'été parce que vous pouvez le mettre sans fond de teint, sans rien. Et moi, je trouve que ça matifie énormément. Il y a un effet très... comment vous expliquer? Il y a un effet satiné et un effet très naturel, très seconde peau. Donc là, en fait, je le mets sur tout. Hein, sur le blush, sur le contouring, pour avoir vraiment un effet... ça fond tout, en fait. J'essaie de fondre toutes les matières, tous les... tous les différents produits que j'ai mis, toutes les différentes textures avec ce fond de teint poudre. Donc là, je n'ai absolument pas de filtre dans ma caméra, donc c'est vraiment comme ça ma peau est. C'est vraiment ma teinte, c'est vraiment tout. Je ne mets pas de filtre de beauté. Donc là, avec vous, je vais tracer mes lèvres et faire mes lèvres. Franchement, moi je trouve qu'il y a une pénurie au niveau des crayons marron. Kiko, il n'y a plus. Des fois, tu vas à Sephora, il n'y a pas. Donc moi je trace hyper bien la bouche, je dépasse. Voilà. Par-dessus je mets mon petit gloss de chez MAC, incroyable. Donc moi ça m'arrive des fois l'été de partir comme ça, sans faux stylet. Mais je vais rajouter des faux stylets. Et vous voyez, un rouge à lèvres, un gloss hyper clair comme ça, moi je trouve que ça illumine énormément le regard, incroyable. Mes sourcils, je corrige juste. Je ne fais pas mes sourcils l'été. Je vais juste mettre des fossiles très fins. Je vais essayer de trouver des très fins. Et je vous verrai le final look. Les gars, make-up fini. Donc voilà, on est sur un make-up spécial été. Un make-up très bronzé. Mais sans fond de teint. Là, j'ai remis du gloss. Après, peut-être que vous aimez pas. Peut-être que ça attire un peu trop l'œil. Là, j'ai remis du gloss par-dessus. J'aime bien mettre au centre, que ce soit beaucoup plus visible. Ça contraste beaucoup avec mon teint. Je vous l'accorde. Après, vous pouvez vous arrêter comme vous voulez. J'ai remis aussi du bronzer pour vraiment être orange. Et il y a une lumière orange, malheureusement, sur mon visage parce que j'ai cassé une lunette. Donc là, make-up fini. On est sur un teint très bronzé. La vidéo en rush total, elle est à moins de 20 minutes. Donc vous voyez, on peut se maquiller très vite. J'ai cherché énormément les produits. Voilà. Je viens de recevoir certains. Voilà. Donc c'était pas le truc idéal. Non. Donc on est peut-être à 15 minutes de make-up. Je voulais vous dire, quand c'est l'été, n'essayez pas d'être mat. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec un teint très hydraté, avec même de l'huile sur le visage. Et si vous voulez moins briller, déjà, si vous brillez beaucoup, c'est qu'il y a un problème quelque part d'hydratation, parce que les progrès sont des peaux déshydratées, souvent dénourries, souvent. Donc posez-vous les bonnes questions et arrêtez de mettre de la poudre tout le temps sur le visage. Commencez à mettre de l'huile le soir et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, votre peau ne sera plus grasse. Ça coince. Bref, mais si vous voulez quand même matifier votre peau, moi je vous conseille d'avoir des houppettes. Vous mettez dans votre sac et vous tapotez. Voilà, puis tapote. Tu n'as pas besoin de produits, mon gars. La houppette, elle va aspirer tout ce qui est gras du visage. Tu vois, tu tapotes. Voilà, si tu sens que c'est pas... Et peut-être acheter des meilleurs produits aussi. Si tu sens que c'est pas assez bien mat, tu tapotes. Voilà. Mais arrêtez vos conneries de mettre
du papier matifiant tout le temps, vos pores sont bouchés et donc votre peau, elle est encore plus grasse, tout simplement. Donc voilà, petit big up fini, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le look final vous a donné envie de vous maquiller comme moi. Donc voilà, je vous montre un peu plus près. Deux, trois petites taches, mais c'est ça aussi un make-up sans fond de teint, ça a couvrance légère. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je fais pas beaucoup de vidéos make-up sur ma chaîne, c'est pas mon fort d'ailleurs, je suis plus dans le lifetime, je suis plus dans la mode, un peu dans le luxe maintenant, donc essayez de regarder un peu ce que je fais, pourquoi pas vous abonner, pourquoi pas partager, pourquoi pas envoyer à des personnes qui peuvent être intéressées, des personnes intéressées tu vois, pas des gens qui s'abonnent et après ils regardent pas, parce qu'ils n'ont pas adhéré au personnage. Bisous bye bye et bonsoir chez vous.